J'informais investissement locatif et il s'occupait de tout. En fait, j'aurais pu très bien être à l'étranger et ça aurait été pareil. Donc le bon choix pour moi, c'est ça. C'est de se concentrer sur sa passion, sur son travail et déléguer le côté investissement à des professionnels de l'immobilier. Bonjour, je m'appelle Mani. Je suis producteur réalisateur dans le monde de la télé. À l'âge de 13 ans, je suis arrivé en France, né en Iran. Quand je suis arrivé en France, j'ai appris le français en 1 ou 2 ans à peu près. Et ma famille a toujours voulu que je fasse des métiers scientifiques. Mais moi, je voulais suivre mes rêves. Et finalement, j'ai fait une école de cinéma. Parce que depuis que j'ai 8-9 ans, je voulais toujours faire ça. C'est tout le côté showbiz, ça m'intéressait depuis l'enfance. Et aussi le business qui est autour de ce métier. Alors à partir du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, je mettais tout le temps de côté, que je gagne 500 euros ou plus. Donc je me suis intéressé à l'investissement locatif. Pendant 2 ans, donc je regardais un peu de droite à gauche comment investir. Donc je regardais des vidéos sur YouTube, des livres et des formations en ligne. Je suis tombé sur investissement locatif. Et j'ai fait un premier rendez-vous avec eux, vraiment tout bien expliqué dans un premier rendez-vous. Ça s'est super bien passé parce que aujourd'hui que je vous parle, mon appartement en rénovation est terminé. Il va être en location dans quelques jours. Le résultat, c'était impressionnant. Le premier jour que j'ai vu l'appartement, c'était un très bon prix et il était dans un état vraiment pas possible. Les équipes et le chasseur m'ont rassuré parce qu'ils m'ont dit qu'ils vont le transformer en un bijou. Je les ai écoutés, j'ai fait confiance et on a signé le compromis. J'ai bien fait les écouter parce qu'aujourd'hui, quand je regarde l'appartement, il est vraiment transformé en un bijou. Moi, si j'étais étudiant, je serais allé dedans tout de suite. Alors, j'ai fait le choix d'investir dans l'immobilier parce qu'en France, on a la chance d'avoir des crédits avec des sommes plutôt importantes. Et mon but, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, c'était pas avoir un appartement. C'était pour aller beaucoup plus loin. Donc, ça veut dire je voulais avoir 15-20 appartements dans 10 ans. C'est pour ça que j'ai choisi investissement locatif parce qu'au début, les plus importants, on commence bien. C'est-à-dire que les premiers appartements, les premiers financements, il faut que ça soit bien fait. Sinon, on ne peut pas aller beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, quand j'ai fait ce premier investissement locatif, je voulais m'occuper un peu de certaines choses. Mais finalement, comme j'avais beaucoup de travail, je me suis dit qu'à chaque fois, je ne peux pas m'occuper de tout ça. Donc, je déléguais à chaque fois. J'informais investissement locatif et il s'occupait de tout. En fait, j'aurais pu très bien être à l'étranger et ça aurait été pareil. Et comme j'ai beaucoup d'amis à l'étranger et de la famille, je conseille fortement investissement locatif parce qu'eux, ils peuvent prendre du crédit et investir en France et déléguer tout à l'investissement locatif.